Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 229 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui comme vous l'avez vu et vous avez sûrement pété un câble à Dibou et l'ombre verte. Et oui, à Dibou, hein, il nous a tous, tout le monde le connaît, tout le monde se fout de sa gueule, mais bah, on va dire qu'il est en même temps, il le mérite. Hein. c'est un jeu donc à Dibou, toute la suite et il y en a plusieurs sur tout un tas de consoles et tout un tas de jeux, tout un tas de versions. Donc à Dibou est un jeu pour enfants. Éducatif, hein. Enfin, je vous verrai qu'il n'y a pas tellement grand chose d'éducatif dedans, c'est même tout à fait chelou, on dirait les Teletubbies. Ben, on va y jouer ensemble, voilà, on va se taper des barres ensemble, parce que ça fait longtemps que moi j'y ai pas joué en même temps, normal. Et je me rappelle quand j'étais gamin, j'aimais bien. J'aimais bien l'univers, c'était assez spécial, cultiver ses plantes, enfin, vous allez voir, c'est assez épique. Hein. Donc PlayStationEurope.com, Sony Computer Entertainment présente, attention des yeux parce que c'est en français, totalement français. Et il va parler en français aussi, il parle pas mal à Dibou. Voilà, ok, donc c'est une petite introduction je crois. Voilà, à Dibou et l'ombre verte. L'ombre verte, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, me demandez pas, ne saurait pas, peut-être qu'on pourrait trouver quelque part. Alors là il commence à nous parler, donc il nous dit de vérifier notre carte mémoire, sauf que je n'en ai pas dessus, hein. Il me dit qu'un bloc mémoire est nécessaire, mais je m'en fous, je suis sur un émulateur et j'y ai jamais joué. Je risque pas de retirer la carte en tout cas. Nous allons commencer une nouvelle sauvegarde. Alors il a une petite voix aiguë, j'espère que vous l'entendrez pas sur l'enregistrement. Donc les configurations de la manette. Bon ben, comme d'habitude, je n'ai pas de manette. Ça va pas tarder. Hein. Faut que je m'y mette. Donc j'ai le clavier. Donc pour l'instant, ces touches-là, ce tutoriel-là ne m'aide en aucun cas à trouver les touches. Même si je le connais à un peu près. Bon, parce qu'à force de jouer sans clavier, ben, vous savez à peu près. Parce que là, il me dit appuie sur croix. Bon, ouais. Ok, bon bah peut-être que c'est D, peut-être que c'est S ou F, je crois bien que j'avais configuré Q, S, D, F, et j'avais mis croix, enfin dans l'ordre horaire. Donc en fait après moi j'appuie un peu sur toutes les touches, ça fonctionne. C'est comme ça que je fais. Donc là il nous raconte un peu sa vie, on va créer un nouveau personnage. Et si on est perdu, bah on appuie toujours sur le petit point d'interrogation. Donc on va créer un nouveau personnage, parce qu'on n'en a pas, on n'a jamais joué. Donc je ne veux pas d'explication, donc je ne veux pas dire oui, mais je vais dire non. Donc c'est pas bien compliqué, non, oui, avec un personnage qui remue la tête. Donc je vais me créer un petit personnage avec les éléments qu'on me donne. Alors ça c'est une partie un peu nouvelle hein, pour 2001, créer son avatar comme ça à l'arrache, bon, c'était déjà bien. Donc on va lui mettre des yeux comme on veut. On va lui faire un petit personnage un peu marrant. Voilà. Un petit nez. Hop. Oh, un petit nez de clown, nickel. Des oreilles, pile poil. Oh, bah putain, merde. Voilà. Donc on a un petit nez. En fait, c'est un truc automatique. Hop. Et on va lui mettre des longs cheveux comme ça. Oh, nickel. Oh, il est très mignon, mon personnage. Voilà. Donc, je suis moi. Tu as l'air vraiment très sympathique. J'ai l'air sympathique, j'ai l'air surtout illuminé. J'ai vraiment l'air d'avoir fumé 3 joints avant de faire ma coupe de cheveux. Donc je m'appelle Sylvanus, on va voir si on arrive à le rentrer en entier. Alors parce que la plupart des jeux, vous jouez sur Game Boy et trucs comme ça, vous rentrez votre nom, c'est pas assez long. Je pense notamment à Zelda qui m'a marqué toute ma jeunesse où je devais marquer Sylva. Ou Sylvan, je crois, je sais plus, non, Sylva. On pouvait pas rentrer plus de lettres. Un truc comme ça, 5 lettres. Donc, c'est parti. Sauvegarde terminée. Oui, bon, ça, je sais lire, mais c'est vrai que pour les enfants. Donc là, on voit un peu les personnages, là, dans le chargement, on voit les personnages avec lesquels on va avoir affaire. Donc, je vais le laisser parler un petit peu au début. Il va nous raconter sa vie. Bienvenue dans mon pays merveilleux. Ici, c'est le paradis des enfants. Tu peux t'amuser, découvrir et apprendre 1000 choses. Tu peux t'occuper du jardin et de ses plantations, installer des abris pour les animaux
Et si tu vas dans la maison, tu peux passer des heures à jouer, et même à faire la cuisine. Mais attention, pour cuisiner, il faut retrouver Kikouk. Tu vois la pancarte en bas à droite? Direction l'aventure! Tu vas voir, on n'a pas fini de s'amuser, toi et moi. Tiens, voilà Plop, mon meilleur copain. Un chien ventouse. Étonnant, non? C'est assez rare, en effet. Tu verras, Plop aime beaucoup les oiseaux, déteste les chats et adore les gâteaux. On va bien s'amuser tous les trois. Alors, à quoi on joue maintenant? Tu vois ce drôle de robot là-bas? C'est Robitoc, mon fidèle compagnon. Il s'occupe du jardin, mais surtout Robitoc possède un pouvoir magique. Il sait faire pousser des arbres fruitiers très vite. Il suffit de lui demander. Donc voilà, petite mise en bouche très sympathique, où c'est qu'on aperçoit qu'il y a un chien ventouse. Bah oui, c'est très rare, c'est très marrant. On pourrait partir à l'aventure, mais on va rester surtout sur le jardin et la maison. Et on va essayer de visiter un peu, de cliquer un peu partout. Et on va voir qu'est-ce que ça fait. Donc là, voilà, ça fait chouette. Voilà. Et maintenant, Bouzigouloum, tu peux venir. Il y a une surprise pour toi. D'accord, Bouzigouloum, je sais pas qui c'est. Ouais, en fait, il y a des trucs un peu bizarres de partout. Tu appuies, ça fait des animations un peu sur tout. Donc là, on a le jardin. Donc, on va voir, je vais vous montrer un peu comment ça marche, le jardin. Vous voyez, on plante des choses. Et on les fait pousser, en fait. Ici, tu peux d'ailleurs, j'aime bien la musique quand on arrose les trucs. J'aime bien la musique. Bon, vous allez voir. Alors. Où tu veux. Donc, je... ta gueule, on va lui dire ta gueule, je peux pas jouer parce qu'il me parle, voilà. Ah, ça y est, donc voilà, je prends une graine, et je vais la mettre où je veux. Donc, on va essayer de faire quelque chose de à peu près rangé, on va la mettre en haut, là. On va prendre une autre graine, comme ça. Hop, donc il met 3 ans à prendre la graine aussi, une petite animation à chaque fois. Donc là, ça pousse, et on va arroser. Ah, la petite musique, là, qu'on entend, là, elle est trop bien. Ah. C'est petit délire personnel, franchement. À l'époque, quand t'es petit, bah, t'aimes bien les musiques comme ça qui passent. Donc voilà, donc ça pousse assez rapidement quand même. Et l'autre, il attend à côté, hein, comme un con. Voilà, donc on a une fleur qui a poussé. Hop. Donc il va aller la récupérer. Hop. Et on va la mettre normalement. On va la récupérer, on va la garder, hop, dans son truc. Ou en fait, je pense qu'il la garde dans son estomac, ou je sais pas. Voilà. Toujours la petite musique quand il arrive. Il est marrant ce petit robot. Allez, ping. Il a une baguette magique, hein, c'est un robot qui a une baguette magique. C'est le genre de jeu, faut pas se poser de questions. Faut pas du tout essayer de réfléchir à pourquoi. Voilà. Tu es un robot et tout, tu sors ta baguette magique et hop là! Voilà. Donc, tu vas. Pourquoi? Mais voilà, j'aime bien cette musique. Donc, du coup, on va sortir de ce jardin. Voilà, on a fait pousser trois fleurs, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, au passage, hein, je sais pas pourquoi on les a fait pousser. Peut-être qu'on va faire du gâteau avec, je sais pas. Donc là, une balançoire. Qui vient de parler et qui vient de dire quelque chose de totalement incompréhensible. Donc là, je viens de cliquer sur l'arbre. En fait, on essaie de découvrir un peu ce qu'il y a dans le jardin. C'est quand même très très glauque. Hein. Tu as besoin d'une voilà, donc là, on a des nids d'oiseaux. Des niches. Et des ruches pour les abeilles. Donc, je sais pas trop. On va cliquer sur la niche, par exemple. Ce modèle. Si ça te plaît comme ça, clique le pouce pour valider ton choix. Donc voilà, bah, je clique le pouce. Voilà. Donc je viens de prendre normalement une niche qui est apparue là-bas. Oui, il sera content le chien ventouse. Oui, à l'instant, je resserre mes boulons et me voilà. Donc voilà, donc là le robot vient de parler, je sais pas pourquoi. Magnifique, fantastique et toc. Ouais. Donc le chien, je sais pas comment lui dire d'aller là-bas par contre. Il y a un mec qui aille dans sa niche, mais je sais pas faire. Ok donc une sorte de ballon qui vient de faire une grimace. C'est génial. La boîte aux lettres. Tiens. Il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Ah, il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Eh ben, on va aller voir. Tiens, moi, ça lui fera bouger ses grosses fesses du milieu. Et moi, je suis gentil avec les enfants. C'est gentil, les enfants. Psychopathe. D'accord, donc c'est une lettre qui bouge.
Et il vient de dire A et c'est tout. C'est une lettre qui, où c'est qu'il y avait les dessins Pouvikoum d'un. se moque de moi. Tu as vu la lettre qu'il m'envoie? D'accord, ok. Il est pas gentil du tout, ce Gollum. Voilà, donc là, c'est une bûche de bois qui vient de rigoler. Hein. Voilà, non, mais il faut pas se poser de questions. C'est un ensemble très très magique. Je pense que l'enfant qui joue à ce jeu doit apprendre tout un tas de choses. Ouais, les chiens ventouses, les bûches qui rigolent, les ballons qui font des grimaces. C'est trop bien. Alors, on va écouter un peu la radio, tiens. Je crois bien qu'il fait des blagues, lui. On va essayer de Voilà, voir. tu es à l'intérieur de ma jolie maison et tu peux Ouais. voir tous mes trésors. Maintenant, à toi de découvrir quel jeu se cache derrière les objets en les cliquant. Je vais les cliquer. Donc je vais Chers cliquer, donc je auditeurs, vais écouter lui. bonjour. Vous Ah, écoutez écoutons. Radio Adibou, la radio des petits loups. Et maintenant, place à la rigolade, à la rigoladibou, bien sûr. Un chat enrhumé entre dans une pharmacie. Tu sais ce qu'il a demandé? Du sirop pour ma toux, s'il vous plaît. Oh là là, j'en peux plus. Oh là là, je suis mort de rire, c'est un truc de fou. Blague, voilà, c'est pour ça que l'humour en France est déprimant maintenant. Donc, on va faire autre chose. Tu n'y as pas J'ai encore cliqué sur les d'informations dans bouquins. le cahier de Je voyage. sais pas trop ce que ça va Reviens le cliquer plus servir, tard. alors Il il n'y a aura rien peut-être une dedans. surprise. Ouais, donc c'est super, voilà, donc des bouquins qui servent à rien. Un temps de chargement entre les choses, évidemment, parce que c'est une PlayStation, hein, on peut pas trop bien demander, donc on va cliquer sur la télé. On va voir qu'est-ce que c'est comme télé, d'ailleurs, elle est Et bizarre. voici, pour les Oh, salut. petits et les grands, Nous fait un petit clin d'œil. tendres amis. Alors, si c'est pour voir une télé dans laquelle on est dans le jardin. Ah, une tortue. On vient de se faire tirer les vers. D'accord, ok. Donc, ok. Donc, je sais pas si vous avez vu, là, il vient de Tu tourner la iras tête sur ça. bientôt? Sa... Eh, Ouais, il vient merci. de faire plusieurs tours avec sa tête. D'accord, c'est pas du tout glauque pour les enfants. Voilà, c'était la télé. Je dirais c'est toujours mieux que TF1. Faut voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça par contre? J'essaie de découvrir un peu les trucs. On dirait des sortes de jeux. On va essayer celui-là, une sorte de casse-brique. Alors, est-ce qu'on peut y jouer? Alors, ça, Pour attention. déplacer la Il me raquette vers semble, la gauche voilà, ou donc vers la il droite, nous donne les appuie sur les contrôles, donc boutons gauche de et droite, direction pour à gauche déplacer de la manette de jeu. le truc. La croix te permet Et de X. lancer la balle Alors, et tu ça doit être commences un Q. nouveau jeu. Ouais, ça va être ça. Si tu veux arrêter de jouer, pour Donc, Q avoir carré, accès à croix la et barre rond, c'est d'icônes, appuie sur le bouton QSDF, Start. ce que j'ai fait sur le clavier. Pour recommencer à Et jouer, appuie à nouveau sur le on bouton va appuyer Start. sur Start pour Quand tu as recommencer. besoin d'aide, Donc, il te suffit d'appuyer sur le bouton rond de la manette de si jeu. j'ai besoin d'aide, on appuie sur le bouton. Donc, on va jouer, alors, attention. Waouh! Qu'est-ce qu'on s'éclate! C'est trop bien! Ouais, gros! Oh putain, non, j'ai dit ça. Ah, je suis trop à fond sur ça, c'est lui. T'en as trop pris, gros! Ah non, mais je pense que le mec qui a développé ça, il devait quand même bien se faire chier. Nom de Dieu. Il a dû dire quand même, les enfants, quand ils vont jouer à ça, à quoi est-ce qu'ils vont penser, franchement? En plus, vous avez vu, je sors du cadre avec mon palais. Le truc là, sur... La balle rebondit sur les bords, mais moi, je peux aller plus loin. Ouais, allez savoir pourquoi. Hop, donc là, je suis aimanté. Bon, ça semblait évident en touchant un aimant. Oh, un escargot, il me fait redescendre la balle plus doucement, donc j'ai éclaté avec la bombe. On va essayer de finir au moins ce niveau, même si ça a l'air totalement palpitant. Après, est-ce que ça sert à quelque chose au niveau du jeu? Est-ce que ça nous donne des avantages de bonus? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je me fais bien chier parce que la balle, elle n'a pas l'air de vouloir accélérer. Ah, peut-être un petit peu. Vraiment un petit peu. Nom de Dieu. Et je vous laisse avec la musique d'ambiance. Vous allez rire. Eh ben dis donc, heureusement que je parle hein, quand je fais mes vidéos, parce que bah putain, j'aurais fait une dépression, hein. Nom de Dieu. Là, ça s'excite un peu là.
Ah, je suis vraiment là, ça. Ouh, il y a des bruits un peu plus réguliers. Oui. Ils ont quand même pris soin de faire quand même des petits effets sympathiques sur les bonus, hein. Sur les pierres. Ah, ouais. On se croirait dans... Dans je ne sais pas quel jeu, on se croirait dans Jurassic Park sur Game Boy. Quand on tire, le premier coup. Bon, enfin bref. Petit souvenir de bruit. Donc allez, encore un et on va sortir de ce truc très glauque. Dans lequel on a un clown en plus en bas, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique d'ambiance et on s'emmerde. Ah oh, oui. Oui! La petite musique de Winner! Enfin bref. Pour Bon. lancer la Ah première non, non, balle, non, 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 appuie sur la non, non, 3 non, de la non, non, manette de je fais jeu. pas un deuxième niveau, on va te refoutre. Es-tu sûr Ce de truc de vouloir merde, quitter? je chie. Si oui, clique Ah la oui, on balle va passer, ouverte. comme il disait au début Sinon, du jeu, on va passer clique des le heures à rouge. s'amuser. Ah bah oui, c'est la grosse éclate. Oui, je veux me barrer. Ouais. La grosse éclate. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette maison? Non, je veux pas jouer à un autre jeu à la con. Même s'ils ont, ils sont peut-être un peu plus... Je sais pas. Il y en avait d'autres. Alors, on va aller à la cuisine. Je me rappelle, à l'époque, on pouvait faire des gâteaux. On faisait des gâteaux. Alors, suivant comment tu le faisais, tu pouvais le rater. Et c'était le gros monstre pas Nous ne beau qui venait pouvons le pas bouffer. cuisiner. Kikouk a disparu et c'est lui le cuisinier. Kikouk a disparu. Donc on peut pas faire de gâteau. Donc voilà, c'est mort. Donc il faudrait avancer un peu plus dans le jeu pour pouvoir faire des gâteaux. Donc tiens, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer là ici. On va se réécouter une petite blagounette. Serviteur, Allez. bonjour. Vous écoutez quoi? Vous écoutez Radio Adibou, la radio des petits loups. Et maintenant, place à la rigolade! À la rigoladibou, bien sûr! Monsieur et Madame Scrout pour midi ont une fille. Comment l'ont-ils appelée? Ils l'ont appelée Jessica, parce que Jessica Scrout pour midi! Et le niveau est tellement bas que je pense qu'on va s'arrêter sur cette vidéo. Ça fait déjà 17 minutes. Ah oui, effectivement, on peut passer des heures à se faire chier sur un jeu. Le temps passe beaucoup plus vite que sur un jeu de combat, bizarrement. On va rester là. Donc ce sera Adibou et l'ombre verte sur PlayStation 1. C'est vraiment pas pour vos enfants. Hein. Désolé. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.